Dans son grand oral face à la presse, le ministre de la Sécurité s'est voulu rassurant à un moment où l'insécurité est grandissante. Ousseyni Compaoré invite les Burkinabés à ne pas céder à la panique, mais à faire confiance à l'armée. À l'entendre, les terroristes vont être traqués jusqu'à leur dernier retranchement et seront mis hors d'état de nuire. C'est une question de temps et d'organisation. L'héritage laissé par nos ancêtres, nous allons le préserver et nous allons le garder jalousement. Personne, j'ai bien dit personne, ne va faire reculer les Burkinabés. Nous irons chercher ces fauteurs de troubles où ils sont. Même s'ils sont dans des trous de souris, nous irons les chercher. Dans son adresse à la Nation jeudi dernier, le président du FASO annonçait le recrutement de volontaires pour défendre l'intégrité du territoire national. Une initiative qui, selon le ministre de la Sécurité, ne serait pas la porte ouverte à l'anarchie. L'entrée au sein des rangs des FDS devrait se faire sous certaines conditions. Un décret sera publié qui fixera les modalités. Mais il a déjà dit, cela se fera dans un cadre, pas à l'échelle nationale, mais dans les zones qui seront concernées. Il y aura des critères pour recruter. On peut imaginer qu'il y aura des critères de moralité, il y aura des critères d'âge, il y aura des critères de résidence, il y a un certain nombre de critères. Concernant les policiers de Djibo qui ont déserté après les attaques contre leur position, le ministre de la Sécurité affirme que des procédures disciplinaires sont en cours. Son collègue de la communication appelle les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information en cette période où, dit-il, les fake news desservent le combat des FDS.